Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Vanessa ses diamants. Là, c'est vraiment Vanessa ses diamants cette vidéo. Parce que souvent, c'est point de croix, donc c'est plutôt Vanessa ses points de croix. Là, c'est vraiment Vanessa ses diamants. J'espère que vous allez bien. Oui, Vanessa est en forme. Elle va beaucoup mieux. Je tousse encore, mais ça va. Je tousse beaucoup par moment, en fait. Mais vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar partout? Eh bien, on va vernicoler tout ce que j'ai diamanté. Eh oui, Vanessa, elle a diamanté depuis octobre pas mal de choses. Donc, déjà, j'ai fini mon porte-serviette. Il y a déjà un petit peu, déjà. Je regarde s'il n'y a pas de poussière, quand même. Voilà, regardez comme il est beau. Voilà, je vous remettrai les liens des articles. Il me semble que ça vient de chez Pensomway. Si je dis pas de bêtises, voilà, tout est diamanté. On avait fait deux vidéos, une, je sais plus, ensemble. Voilà, j'ai fini mon Papa Noël. Attendez, je pousse. Voilà, regardez, il est beau. Il est beau. Non, vous le trouvez pas beau, vous? Il est magnifique. Voilà, et je finis tous mes pendants. Regardez, fini, et il n'y a rien derrière, hein. C'est juste une image, faut que j'enlève le plastique, bah, d'ailleurs je vais le faire, tiens, comme ça on va dévoiler un petit peu l'image, regardez comme c'est beau après, alors hop, regardez, là, pas beau, flou, regardez, ta-ta-ta, regardez comme c'est beau. C'est beau, hein? Voilà. Alors, on va reprendre celui-là. Hop. Regardez la différence. Vous avez vu comme c'est beau, un peu? C'est bio. Alors, voilà. Il y a celui-ci. Petit bounounours avec le petit cadeau. Voilà. C'est beau, hein, j'aime bien. Il y a celui-ci. Ça me vient de chez Fancels. Plus trop de nouvelles de cette boutique. Mais bon, je fais quand même les articles qu'ils m'ont envoyés. Voilà. On a celui-ci. Je les ai fait dans la foulée. Hein, et j'ai fini le lendemain, je crois. Hop, la vidéo, quand vous voyez celle-là, est toujours pas sortie. Mais vous la verrez sortir avant que j'en publie celle-là, quand même. Dans la logique des chouchoses, quand même. Alors. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 10 novembre et c'est repas en famille, c'est raclette aujourd'hui. Ça va être bien sympa. Comme demain, je ne travaille pas. Hop. Vous voyez, quand on découvre l'image, ça fait vraiment beau. Hein. Moi, j'aime bien. Voilà. Et la dernière image, c'est celle-ci. Et je vous avais parlé en vidéo que j'allais vernicoler avec vous. Voilà. Et il y en a bien 8. Donc, j'ai pris mon pinceau. Je prends ma colle Cléopâtre. Colle transparente. Celle-ci que je prends depuis que je diamante. Ouais, j'ai jamais changé de vernicole. Parce qu'au départ, je prenais une autre, elle n'était pas bien. Et depuis que je prends celle-là, je ne suis pas déçue. Donc, voilà, mon pinceau est mouillé quand même. Que moi, j'aime bien qu'il y ait un petit peu d'eau. J'en mets pas beaucoup, ça ne sert à rien. Voilà, j'enlève un peu le surplus. Et je vernicole. Tête de colle.
Bon, comment allez-vous en ce dimanche? Enfin, vous verrez cette vidéo, je ne sais pas, vers le 15. Pas le 15 parce que c'est mon duo avec Isa, mais voilà, j'en mets bien partout. Et comme il n'y a pas grand-chose à faire quand on fait raclette, n'est-ce pas? Juste à faire cuire les patates. Les patates sans patates. Donc, petite vidéo avec vous. Après, ça va être un petit peu de ménage. Peut-être un petit peu de point de croix. Je ne sais pas si j'ai le temps. On verra. Hop. Je vous remettrai de toute façon tous les liens de ces articles, les liens des boutiques, aussi bien du porte-serviette que du l'ornement à Papa Noël et que de ces petits nounours. Je vais peut-être pas tout mettre dans mon sapin, je vais peut-être en donner un ou deux à ma petite nièce pour qu'elle mette dans son sapin. Elle a 2 ans, mon petit chat, à tata. Puis moi je laisse après sécher bien toute la matinée hein, pour que ça soit bien sec, nickel. Vous voyez, je fais partout. Voilà. Je vous filme, il doit être 8 h, quelque chose comme ça. Tout le monde dort encore. Bon, de toute façon, même s'il se réveille, c'est pas gênant. Moi, je suis en bas. Hop. Voilà, et le dernier. Et après, je vais faire le porte-serviette. Après, j'aurai les petites lanières à mettre. Ça fait vraiment joli, hein, les dessins derrière. Ça fait vraiment beau. Voilà. Alors, je vais les prendre, je vais les mettre derrière. Je vous mets sur pause et je les mets derrière pour avoir de la place. Voilà, je suis là. Allez. On va vernicoler l'ornement. Ah bah j'en oublie un là. Ah mince. Alors attendez, je crois que je les ai. J'ai vu que j'avais là. J'ai vu tout à l'heure parce que j'ai un bazar là. Hop, je vais le remettre tout de suite. À moins qu'il s'est sauvé ou j'ai oublié, je sais pas. Hop, c'est possible hein, que j'ai oublié. Ça peut arriver, hein. Voilà. Et je vais faire le bas maintenant. Je vais le mettre derrière. Là aussi, il me manque un jaune. Ah ben justement, c'est bizarre. Quand même. Prends un tout petit. J'ai pas pris.
attendez, j'ai un stylet là, hop. Bah, il veut pas. Bah, comme j'ai vernicolé, ça glisse. Voilà. Voilà. Hop. Je le mets derrière. Hop. J'ai un grand congel derrière. Et là, j'ai mis de la colle. Voilà. Et je vais vernicoler mon porte-serviette. Je ne vais pas le défaire. Je vais faire comme ça. Ça, j'espère que cette petite vidéo bricolage collage vous plaît. Ça faisait longtemps que j'ai pas fait de vidéo comme ça. Voilà, ça d'en mettre beaucoup, il y a très peu de sur ce truc, enfin sur cet objet porte-serviette, il n'y a pas beaucoup de diamants en fait. Hop. Mais il m'en est resté beaucoup. Hein. Je vous assure qu'il y a la quantité. Voilà. Hop, on va remettre comme il faut la petite boule. Voilà. Et du coup, on va... Voilà. J'ai fait tomber le... J'ai pris le truc par le dessus. Alors, là, il y a un petit peu de saleté. Hop, un petit coup de torchon. Voilà. Vanessa, elle n'aime pas. Voilà. J'ai nettoyé un petit coup de torchon sur le rebord. On va le mettre sur le côté. Et du coup, puisqu'on est là, on va continuer mon sapin que je n'ai pas touché, rappelez-vous. Ça faisait que de ne pas coller. Vous vous rappelez? Donc, on va coller ce qu'on a déjà diamanté. Comme ça, ça sera fait. Et je vais mettre un petit coup de colle là. Et comme ça, on va essayer de faire tout ça là déjà. Voilà. Alors, j'espère que j'ai pas fait de bêtises. Que ça va bien coller. Ah, évidemment, j'ai pas de barquette. Oui, j'avais bien monté en... J'étais remontée en haut. Là, c'est pas grave. On va prendre la barquette du kit. Hein. C'est fait pour. C'est pas gênant. Alors, attendez. On ouvre comment ? Ici, non, par le devant, c'est mieux. Hop, je vais m'essuyer les mains. Et où mon torchon? Il... Oups. Alors, on va mettre comme ça. Je vais peut-être vous zoomer, non? Voilà. Alors, on avait ouvert les 1, 12, 4 et 15. Je n'avais pas ouvert les autres. Donc, il va falloir que je retrouve les autres qui sont là. Dans la panière, j'ai des choses qui me gênent. Alors, attendez, je vous mets sur pause, j'arrive. Je récupère les diamants. Voilà, j'ai récupéré les diamants. Alors, j'ai dit quoi? On va faire le 5. Alors, le 5, c'est le petit du vert, normalement. C'est celui-là. J'allais dire, bah, j'ai pas non plus de ciseaux, si. Hop. J'espère que j'ai pas fait de bêtises en faisant de vernicole dessus. On va voir si j'ai fait des bêtises ou pas.
Ça n'a pas l'air. Et je reverrai mes colleries après. Hein. J'ai mis un peu de colle parce que j'ai. Pour rappeler, quand je l'ai fait, ça voulait pas adhérer. Il me semble que ça aussi, ça me vient de chez Pensomway. Donc, je les remercie infiniment. De toute façon, je vous remettrai tous les liens. Vous avez vu, hein, le kit, ça va très très bien. Il n'y a pas besoin d'avoir. Ça glisse. Faire doucement. Voilà. Je m'approche un petit peu de mes yeux. Voilà. Pas que j'aille trop vite. Faut que je fasse doucement et que je les pose tranquille. Tranquille. Bon, je pense pas que vous le verrez terminé en vidéo. Je vous le montrerai quand il sera terminé. Comme ça, vous avez pu voir mes produits terminés de octobre et novembre à cheval. J'ai déjà fait 3 articles, enfin avec les 8 accroches sapins. Oui, il y en a bien 8. Hein. 2, 4. Oui, c'est ça. Après, je ferai mes petits anges. À moins que je fasse ce que j'attends, que je le reçois avant. J'ai été influencée par Myriam de la chaîne Mimique et ses loisirs. Je l'ai vu, il est magnifique. Et j'avais très envie de l'avoir. Et grâce à un partenaire, eh ben, je l'ai eu. Alors, hop là. Je fais pas celle-là ni celle-là parce que c'est un 7 et un 3. Pardon, je cherchais. Alors, on va faire là. Comme j'ai encore des 5 ici. J'espère que je suis dans le champ, oui. Je vais peut-être vous zoomer un petit peu plus. C'est bien de faire une raclette, mais ça va sentir le fromage après. Comme dit mon mari, j'ai pas ça quand on fait une raclette ou une tartiflette. Hein. Bah, du coup, hier... Eh ben, j'ai été faire un petit tour au marché. Il faisait très 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 beau. Je vais faire l'étoile. C'est une petite étoile. C'est la 16. Et mon mari, il est revenu de promenade avec la chaîne. Il dit, ça te dit d'aller faire un tour au marché? Il me dit, il fait beau, on va aller se promener. Je dis, bon, si tu veux. Donc, on est parti au marché. J'ai acheté des clémentines, des bananes, des topinambour, j'adore ça, et un chou-fleur, des pommes de terre, j'en avais, pardon, je passe devant, donc j'en ai pas pris, des carottes, j'en avais encore, donc j'en ai pas pris non plus, j'aurais dû prendre des poireaux, c'est vrai, mais bon, c'est pas grave, on a fait une bonne balade, on était bien, on en avait même trop chaud. Les petits 6 que je vous mette bien dans le cadre.
C'est sympa de se promener comme ça. Ça faisait très longtemps qu'on n'y avait pas été. Ben, il faisait gris, il faisait pas beau, ça donnait pas envie. Hein. Mais hier, le temps s'y prêtait. Et du coup, après, on s'est motivé. On a mangé vite fait. Et on a été dehors et on a nettoyé. Moi, j'ai balayé, j'ai ratissé toutes les feuilles. Lui, il a fini de couper les rosiers. Parce qu'il avait laissé un rosier qui était encore avec des fleurs. Là, il a tout coupé. Il a coupé aussi mes belles de nuit. Il a récupéré des graines et il a tout coupé à ras. Comme ça, l'année prochaine, si quelqu'un veut des graines, des fois, je sais que mon voisin d'en face, il nous en demande. C'est le collègue à mon mari, on s'entend très très bien. C'est des amis à nous. Maintenant, j'ai des roses et des jaunes. Les jaunes, c'est mon papa qui me les a donnés, parce que lui, il avait des jaunes. Voyez, en allant doucement, ça se fait bien. Voilà. Donc, ça m'a fait plaisir d'aller au marché. Ça faisait très très longtemps que j'y avais pas été. Au moins depuis août. Que septembre, moi, avec le mariage, je n'ai pas été. Octobre, ouais, c'est ça, depuis août. Et celui-là où on va, j'aime beaucoup. C'est un bon marché. C'est un vrai marché avec des producteurs. C'est pas un marché avec des camelots, des machins. Bon, il en a, mais pas beaucoup. Et j'aime bien parce qu'il y a un ou deux vendeurs et c'est des. Ils font des choses artisanaux, artisanales, je sais pas comment on dit. Quelqu'un qui fait des choses avec des bracelets, avec des pierres et tout ça. Mais il y avait des exposants qui sont pas là, des études qui sont là et là ils sont pas là. Mais bon, comme c'est un week-end de 3 jours, peut-être il y a des gens qui ont pris leur week-end, hein, c'est possible. Donc, on était ravis. Ça nous a fait plaisir. Et du coup, on a été faire un petit tour à Aldi et j'ai repris à mon papa un calendrier Sudoku. L'année dernière, je lui avais acheté ça. Vous savez, c'est une feuille par jour. Donc, il y a 365 jours. Donc, il y a 365 feuilles de Sudoku. Mais lui, des fois, il fait plusieurs feuilles dans une journée. Je dis, non, papa, c'est une feuille par jour. Il fait des Sudoku, vous savez où? Aux toilettes. C'est son rituel, il me fait rire. Même quand il vient chez nous, il emmène ses sudokus et avant qu'il était fumeur, il emmenait même sa cigarette. Pas chez nous, hein, chez lui. Que chez nous, on ne fumait pas dans la maison. Vous voyez, ça glisse énormément. Et bon, c'est pas grave. Que ça va pas bouger. Ce qu'on avait fait là, ça avait pas bougé, donc il n'y a pas de raison que les outils bougent. Ah, je fais des bêtises. Attendez. Je récupère les diamants. Et quand j'ai fait mes objets en haut, mon mari me dit, ah, ça fait longtemps que t'as pas fait de diamants. Je dis oui, ça c'est vrai. C'est surtout que les deux ornements que je vous ai montrés, je les ai fait en bas, donc ils n'avaient pas vu. Ouais.
Je trouvais ça sympa le truc du calendrier. Un petit cadeau supplémentaire. Là, je suis en pleine réflexion pour les cadeaux de Noël. Et vous avez vu aussi les prix du chocolat. Déjà l'année dernière, ça avait augmenté, mais là. Et je vous dis, ça a pris encore 1 € à 1,30 €. Hein. C'est ce que j'ai dit à mon mari. Hein. Je dis, c'est pas possible. Hein. Le paquet de papillotes que je prends d'habitude, il est presque à 10 €. Avant, j'arrivais à l'avoir à 6-7 €. C'est énorme. Hein. Que ça, plus ça, plus ça, ça fait vite 50 ou 100 balles en plus. Voilà. Moi, j'ai été influencée, j'ai regardé une vidéo, j'ai acheté des truffes de Noël en chocolat de chez Action. Et ben, c'est des chocolats belges. Et ben, c'est vrai qu'elles sont très très bonnes et elles sont pas chères. Moi, j'achète souvent les célébrations pour les enfants à Action. Ça fait joli, hein? On va remettre un petit peu du 6 parce que j'en ai encore. C'est très très beau. Vous avez vu, hein? Vanessa a fait des efforts, a fait des vidéos un petit peu plus longues. Alors dites-moi si vous vous appréciez que Vanessa a fait des vidéos plus longues. Ou avez-vous remarqué? Ou pas? J'irai faire ma vaisselle, mon aspi, et je ferai mon grand ménage demain. Ça sert à rien, comme tout le monde vient manger, je vais pas laver le sol, ça sert à rien. Voilà. Ouais, j'apprécie aussi de vous faire des vidéos un peu plus longues. Alors dites-moi si vous aussi vous aimez. Vanessa prend beaucoup de plaisir à faire ces petites vidéos. Ah, il va être long à faire, hein, parce que vous avez vu, hein, tout ce que j'ai à démonter. Hein. C'est pas quelque chose qui va être fait en 2 minutes. Hein. Je le finirai dans la soirée peut-être. Avec une petite vidéo tranquille. Ben, ça m'aime bien regarder les petites vidéos tranquilles. Je prends ma tablette. Je prends... comment ça s'appelle? Mon casque. Et je regarde des petites vidéos. Par contre, quelque chose que je n'aime pas. Il y en a qui allaient... Ça les rend zen, ça les déstresse. Moi, ça me stresse. C'est les vidéos ASMR. Ah, je peux pas. Hein. Je vous assure, hein, les vidéos ASMR, ça me. Oh, ça me fait, je sais pas quoi. Je peux pas. Moi, ça me rend pas zen. Hein. Moi, ça me rend zinzin. Hein. Ça me rend zinzin. Allez, ça va. Alors. Est-ce que j'avais ouvert le one? Ouais, c'est de l'argenté. Ça va ressortir avec le vert. Tu
tout le blanc là, c'est de l'argenté. Ça va faire beau. Ah, j'entends du bruit. Est-ce que c'est mon mari qui se lève? Ou pas? Comme ça, il va aller promener la grosse toutounette. Et puis je crois bien que j'ai laissé la lumière là-haut. Il va dire, ah, c'est vers ça ici. Non, non, c'est le Loiret. Parce que je dis tout le temps ça. Mais comme je dis, ceux qui habitent vraiment à Versailles, ils disent quoi? Il y en a qui habitent vraiment à Versailles. Donc, ils peuvent pas le dire en fait. Vous avez vu, ça fait ressortir, ça fait joli. Hein. Je pense que moi, je vais vous laisser là. Je vais continuer ou pas, je ne sais pas, selon l'heure. Sinon, je finirai plus tard. S'il y a un des articles qui vous intéresse, je vous les mettrai en barre d'infos. Je vous mettrai aussi les liens des boutiques. Je ne crois pas avoir de code promo sur ces boutiques-là. Hop là. J'y vais doucement et ça se passe plutôt pas mal. Ouais. Mon chéri Kelly. Donc moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand est-ce que vous regardez ma vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait déjà longtemps que j'avais pas fait une vidéo où on en colle les diamants de painting. Un petit commentaire, vous savez, et un petit pouce en l'air me fait toujours plaisir. Moi, je vous embrasse et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye tout le monde !